Yo tout le monde, c'est Looping, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Skyrim. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo, la commenter, la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour être au courant de la sortie des épisodes. Moi, ça me fera plaisir déjà parce que je verrai du monde arriver. Et aussi, parce que voilà, ça permet à la chaîne de se faire découvrir un petit peu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, des chaînes de let's play pur et dur sur YouTube, on en trouve pas beaucoup. Et en tout cas, il n'y en a pas beaucoup qui marchent aussi par rapport à l'époque, l'âge d'or de ces let's play sur YouTube qui était environ 2011-2012. Donc oui, je sais, j'ai 10 ans de retard, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, hein. Moi, j'aime bien ce style de vidéo. Et puis, visiblement, si vous êtes sur la chaîne et que vous êtes abonné, c'est que vous aussi. Donc, let's go, quoi. Autant vivre tous ensemble. Allez, on va aller récolter, du coup, comme c'était prévu, l'écorce des arbres quantiques, je crois que c'est le nom. Arc de verre. Oh, je vais le prendre aussi, tiens, ce petit arc de verre. Bon, ceux-là, je peux pas les récupérer, c'est ces petites ailes-là. Ça aurait été cool, mais le jeu veut pas. En tout cas, on a du loot à foison, ça c'est top. Pas des trucs anodins en plus. Regardez-moi ça, il y a des plantes de partout. Bon, ça je peux toujours pas les loot. Il y a des endroits où on peut et d'autres où on peut pas. Bon, on va faire le tour de la source chaude là. Voir si on rate rien du tout. Ah, ça aurait été sympa qu'il y ait un petit truc. Mais non. Là aussi, ça aurait été sympa qu'ils aient caché un truc. Le mec, il veut qu'il y ait des trucs cachés de partout. On fait le point de lys de cime rouge. Regardez-moi ça. C'est le paradis des lys de cime rouge violet aussi, je crois. Ouais, c'est ça, violet. J'en ai récupéré un certain paquet, c'est impressionnant. Ça, je peux pas les looter, non. Bon, voilà, donc là, on a fait le tour. Il nous a rapporté combien? Oh là là, ah oui. Oh là, oui, un sacré paquet, dis donc. Ah, je suis content. Allez, et niveau stuff, on en est où? Bon, ça va, large. Allez, du coup, c'est parti. Le couteau à deux manches. Nous avons le couteau. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à trouver l'un de ces arbres du cantique. Bah, il est juste à côté, du coup. Hein. J'espère que ces phalènes s'enlèvent aussi bien que le prétend d'Exion. Ah, tuer les nuées de phalènes ancestrales. Regardez-les. Elles se sont prises d'amitié pour vous. Et à moins que je ne sois vraiment épuisé, vous commencez à lire. Non, non, t'es pas épuisé. C'est vraiment moi qui les attire. Allez, venez. Il y en a partout autour de moi. Continuez à récolter au passage, hein, j'en profite. Plutôt simple, hein, du coup, de les récolter. Il y en a tellement autour de moi. Ah ouais, d'accord, le merdier, quoi. On va récupérer un autre de l'autre côté. Mais oh, pousse-toi là. Il y en a là. Derrière le bosquet. Voilà. Je crois que c'était peut-être ce que nous attendions. Remontons et voyons si nous pouvons lire les parchemins. Pénétrer dans la colonne de lumière et lisez le parchemin des anciens, donc celui du sang. On va faire une sauvegarde quand même, c'est important. Objet. Livre. Il est où celui du sang? Là. Vous êtes sur les nerfs? Ça décide une carte, je crois. Il y a un sigle en bas à gauche. En haut à droite aussi.
Il y a des symboles un peu partout. Vous allez bien? J'ai cru vous perdre. Vous étiez blanc comme un linge. Ouais, ça va, tranquille. Je vais bien, oui. Je n'ai jamais fait confiance à ces maudits parchemins. Qui sait ce que ces choses auraient pu vous faire? Regardez Dexion. Justement, le but était de me protéger. Savez-vous où nous pouvons le trouver? C'est un endroit appelé Grotte de Sombre Chute. Alors c'est presque terminé. Je ne suis pas déjà allé. Nous pouvons enfin mettre fin à cette prophétie ridicule. Où est cette Grotte de Sombre Chute? Les parchemins m'ont donné sa position exacte. Alors allons-y. Je veux y arriver avant que mon père ne puisse retrouver notre trace. Bonne idée. Allez, mais je suis sûr que j'y suis déjà allé à la Grotte de Sombre Chute. L'Arc d'Auriel. Arc d'Auriel qu'on obtenait aussi dans... Oh! Hop là, un de moins. Ça va, je te dérange pas, toi? Voilà, c'est fait. Eh ben, on a eu un joli comité d'accueil. Hein. Bon, après, ils ont pas fait long feu face à moi. Le contraire aurait été étonnant. L'Arc d'Auriel, je disais, du coup, il me semble que dans Morrowind, on peut l'obtenir au niveau de la porte de l'aube et du crépuscule qui nous permettait d'accéder... Dagoth-Ur, au Mont Écarlate, du coup, et que c'était un des personnages qui était de, je crois, à la porte de l'homme ou à la porte du crépuscule, je ne sais plus, dans un bureau en hauteur qu'il avait sur lui. Il me semble que dans une ancienne partie de Morrowind à l'époque, je l'avais volé. L'objectif est où? Là, là-bas. Ouais, voilà, j'ai déjà exploré cet endroit-là. C'est pas là où il y avait la sorte de structure bizarroïde dans ce terrain? Que c'est ça, hein. Il y avait une structure étrange, je me demandais ce que c'était. Tout en bas. Et qu'on ne pouvait rien faire à ce moment-là avec elle. Ouais, c'est sûr que c'est ça. Quand j'étais allé voir la structure et tout, je savais que ça avait un rapport avec une quête, que c'était important, mais je savais plus quoi depuis le temps. Et que je pensais que ça avait un rapport bah justement avec Dawnguard, mais plus vraiment le détail de la quête, quoi. Tu sais que je l'ai buté, ça lui donnait ça en plus, hein, du coup, comme coup. Hein. Je suis même pas sûr qu'il faut aller par là. Ouais, ça a l'air. Et on se rapproche. Ah oui, je me souviens d'ici. C'est bizarre, on dirait qu'il y a à nouveau des trucs qui sont apparus. D'accord. Ah oui, clairement, il y a des trucs qui sont apparus, oui. Merde, j'ai récupéré une torche, je fallait pas. On va dormir une petite heure, même si ça sert à rien. Mais qui voudrait s'établir dans un tel endroit? Oups. Désolé, Serana. Ça va aller? Alors celui-là, je l'ai pas vu venir. Hein. Allez, relève-toi, débile. Oh, elle a failli crever à cause de moi, quoi. Heureusement que c'est pas si simple de la buter, hein. Ouais, voilà, c'est là. Ouvrez l'œil. Là-bas, il y a un troll. Deux trolls, même d'ailleurs.
Oh, de l'ébonite raffinée. Il me mâche le travail carrément. Ça va, t'attends ton tour, toi, peut-être, non? Et l'autre qui patauge derrière. Plouf, 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 plouf. Quel boucan. Ah, elle est chiante, elle est reste sans arrêt là. Allez, on y est presque. Ah, il y a quelqu'un. C'est Harkon? Avancez. Gilebor. Vous n'avez rien à craindre ici. Bonjour. Je sens une puissance en moi. Chevalier paladin. Respectons sa présence. Je suis le chevalier paladin Gilebor. Bienvenue dans le grand temple d'Auriel. Cette grotte est un temple dédié à Auriel. Auriel, Auriel, Alkosh, Akatosh. Tant de noms différents pour le souverain des elfes des neiges. Les elfes des neiges, vous êtes Falmer? Un ancien. Je préfère le terme d'elfes des neiges. Le nom Falmer porte une connotation négative pour la plupart des voyageurs. Il a une armure trop stylée. Ces créatures vicieuses que vous appelez Falmer, moi je les appelle les trahis. J'imagine que vous savez pourquoi nous sommes ici. Bien sûr. Vous êtes ici pour l'arc d'Auriel. Quelle autre raison vous conduirait ici? Je peux vous aider à l'obtenir, mais vous devez d'abord me rendre un service. Dites-moi. J'ai besoin que vous tuiez mon frère, l'archivicaire Virtur. Faut le tuer, pourquoi? Nous ne sommes plus complices. J'ignore ce qu'il est advenu de lui, mais il n'est plus le frère que j'ai connu autrefois. D'accord. C'est la faute des trahis. Ils lui ont fait quelque chose, mais je ne comprends pas pourquoi Auriel les aurait laissés faire. Qu'on fait les trahis? Ils se sont glissés dans le temple sans crier gare et ont commencé à tuer tout le monde sans discontinuer. Et t'as tenté de défendre? Le temple était un lieu de culte paisible. Je menais un petit groupe de paladins, mais nous ne faisions pas le poids face au nombre des trahis. Ils ont assassiné tout le monde et mis le sanctuaire intérieur à sac. Ils y ont probablement corrompu Virtur. Tu savais même pas s'il est vivant? Il est vivant. Ah. Je l'ai vu. Mais quelque chose cloche. Il n'a jamais l'air de souffrir ou d'être opprimé. On dirait qu'il reste debout, les yeux dans le vague, comme s'il attendait quelque chose. D'accord. Laisser les sanctuaires sans surveillance reviendrait à enfreindre mon serment en tant que chevalier paladin d'Auriel. Et attaquer les trahis qui gardent le sanctuaire intérieur signerait mon arrêt de mort. Donc t'es coincé, quoi. Oui. Laissez-moi vous montrer. La plateforme là-bas, il y a quelque chose. Pas la plateforme. Le dôme là, il ouvre quelque chose. On y va avec la bénédiction d'Auriel. C'est l'ouverture de la chambre des secrets. Ah, ça reste ici. Vite, le basilic est quelque part. Cette structure est un hôtel. Les hôtels étaient utilisés pour la méditation et le transport quand le temple était un lieu de sagesse. Ok. Les prélats de ces hôtels étaient chargés d'enseigner les mantras d'Auriel à nos initiés. Que signifie ce bassin au centre? Une fois que l'initié avait terminé ses mantras, il remplissait un pichet de cérémonie dans le bassin au centre de l'hôtel, puis se rendait à l'hôtel suivant. Alors ces initiés devaient se trimballer avec un gros pichet d'eau. Combien de temps devaient-ils faire ça? Eh bien, une fois que l'initié avait trouvé la sagesse, il apportait le pichet au sanctuaire intérieur du temple. Après avoir versé le contenu du pichet dans le bassin sacré du sanctuaire, il avait le droit d'entrer pour une audience avec l'archivicaire en personne. Et tout ceci pour finir par vous en débarrasser? Je ne comprends pas. C'est symbolique. Vous n'avez pas besoin de le comprendre. Bon, résumons la situation. Nous devons faire toutes ces âneries pour rentrer dans le temple, tuer votre frère et récupérer l'arc d'Auriel. J'imagine bien ce que vous devez penser. Mais s'il existait un autre moyen, j'y aurais recouru il y a longtemps. Il n'a pas tort. La seule façon de trouver mon frère est de suivre les traces des initiés et de voyager d'hôtel en hôtel comme il le faisait. Le premier se trouve au bout du passage de Sombre Chute, une caverne qui représente l'absence de sagesse. Il y en a combien en tout? Il y en a 5 au total, dispersés à l'intérieur du temple. Ça doit être très vaste. Ces grottes? Oh non,
Le temple comprend bien plus que quelques grottes, comme vous le verrez bientôt. Mais avant de vous mettre en route, je sais à peu près à quoi on s'attend. Besoin du pichet de l'initié. Il faut que j'en pisse à chaque hôtel. Une fois que vous aurez trouvé un hôtel, vous verrez un prélat spectral occupé à l'entretenir. Ils vous laisseront prendre de l'eau dans le bassin du temple, comme si vous aviez reçu la sagesse. Allez, bah let's go. Hein. C'est peut-être la dernière fois que nous pouvons discuter. Si vous avez des questions avant de partir, je vous conseille de me les poser. Alors, il ne me reste plus qu'à vous transmettre tous mes vœux de bon voyage. Des questions? Je m'y attendais. Non, je n'ai pas plus de questions que ça. La lumière d'Auriel quitte vos pas. Allez, ben c'est parti. C'était pas aussi déplaisant que je le pensais. En fait, c'est presque apaisant. J'ai déjà un peu plus chaud. Ah, j'ai pas réussi à... Wow, elle m'a fait peur. D'où venez-vous ? Ça vous apprendra. Eh ben... Oh, la vieille attaque surprise, quoi. Ça, je l'avais pris, cet endroit-là. Je l'avais pris en vidéo pour l'OST illustré. Ça fait comme j'avais fait en sorte... Comme j'avais fait en sorte que le... Que l'AI n'interagisse pas avec le personnage, bah du coup, ils étaient restés en dehors, les plantes. Calmos le chorus. Voilà, c'est fait. Ok. Sacoche d'apothicaire. Ah non. Ok. Des potions de respiration aquatique. Tiens, je me demande bien à quoi ça va servir. Ah, ok, surprise, tiens. Je sais même pas si c'est là d'où on vient, je me souviens plus. En tout cas, on va plonger ici. On va voir ce qu'il y a en bas. Bah, plonge. Ah, voilà. En vrai, je m'en fous un peu de la respiration aquatique. J'ai le casque au cas où à mettre sur moi. Voilà. Allez hop, on y retourne. Voilà. Oh, il n'y a pas un moindre petit truc à looter quand même. Ça, c'est dommage. Oh, sympa. Note du passage de chambre chute 1. 39 pièces d'or. On va lire les fameuses notes. Et je crois que dans les ingrédients, il y a du coup un truc que je ne connais pas. Ça, brillefleur. Résistance à la magie. Ok. Et note de la grotte de sombre chute. Ma sœur, je ne doute pas que tu viendras me trouver, mais il sera trop tard. Si tu trouves cette lettre, quitte cette grotte maudite au plus vite. Quelle folie de croire que nous aurions pu vivre en paix si près de telles créatures. J'aurais dû retourner au campement avec toi après avoir installé les torches. Je pensais que ces trolls seraient différents, qui comprendraient que nous ne leur voulions aucun mal. Ils m'encerclent maintenant. L'un d'eux va sans doute décider à m'achever d'une seconde à l'autre. J'espère au moins que ma mort sera rapide. Adieu ma très chère sœur. On a déjà trouvé des cadavres de personnes dans un état, enfin, dans une situation similaire. Fut un temps. Ah,
Tout ça pour arriver là? Il n'y a pas de sortie, rien du tout. On va refaire tout le chemin en sens inverse du coup. Hein. Moi je suis déçu. Je m'attendais réellement à ce que il y a un passage qui continue, mais même pas. On va repasser par ici du coup. Hein. Donc on devrait repasser par là ensuite. J'avais bien entendu quelque chose. Voilà, c'est fait. Ah, il y a même piège. D'accord, donc le passage servait à éviter le piège et à attaquer l'autre de dos. Non, c'est Rana, par contre, pousse-toi, merci. Coffre ça? Non, c'est pas un coffre, c'est une table. Merde, j'ai pris la chitine de Chorus. Bah, elle est où? Dans divers peut-être? Là, ici. C'est pas utile de s'encombrer avec ça. Qui va là? J'avais bien entendu quelque chose. J'avais bien entendu quelque chose. Comme je l'ai propulsé. Elle est allée s'occuper des autres, c'est bien. Ah, on fait le plein de petites potions sympas, hein. Vas-y, tu peux t'en occuper, Serana. Je n'entends plus rien là. Quoi, t'es devenue sourde? Lol, elle est trop drôle ma blague. Oh. Un petit coffre. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Et là, il n'y a rien. J'avais déjà regardé au-dessus ici. J'ai un doute. Ouais, bah, il n'y a rien d'intéressant du coup. Ok, donc on a un passage secret ici. Ah! Je croyais que c'était Serana qui approchait et j'ai pas fait attention à la silhouette au départ. Elle avait drôlement changé, Serana, dis donc. Bah, attendez, mais là il y a un passage secret, d'accord, mais il doit y avoir moyen de l'ouvrir du coup. Peut-être rater quelque chose. Ou alors faut d'abord là. Oh con. Oh con. Non. Non. Ouf. Vous croyez qu'on meurt si je tombe dedans? Je sais pas où ça va en fait. J'ai envie d'essayer d'aller voir. D'accord.
Il y en a d'autres qui ont eu la même idée que moi, malheureusement ils n'ont pas survécu. Ah, et ce passage doit remonter au passage secret que j'ai vu au-dessus tout à l'heure. Oh, flèche elfique, breuvage de respiration aquatique, un grenat, du poison, et ça on s'en fout. Ok, donc on a notre explication du coup. Ah, coucou Serana. Bon, ben voilà, ben écoutez, on va continuer cet épisode là pour la prochaine fois, hein. Voilà, on continuera l'exploration. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, la commenter, la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour être au courant des futurs épisodes. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, tiens ton stay looping. Bye bye.